J'ai envie de regarder une vidéo de Pizang. Ça fait longtemps et j'ai envie de voir ce qu'il joue en fait. Ah, il joue PTA. Ou oh, attends. PTA. Ah non, c'est trop une dinguerie. C'est con, il va prendre beaucoup de temps. Ok, la pose, là. 그러니까 기발이 이제 어떻게 보면은 이게 트래듀션 론인데 생명흡수를 들면 기발을 굳이 들지 않아도 될 것 같기도 하고 징크스도 지금 직공을 들긴 하네요. 아, 메시 트래듀션 때문에 오토매틱. 지금부터. C'est jamais que rien. Oui, j'ai un pantalon. Bah. 이걸 먹네. 좋은데. 좋아. Renan proc PTA. Que sur la cible principale. Ouais. Attends. Ah mais maintenant tu peux avoir tu peux pas avoir PTA sur plusieurs cibles en même temps. Ah c'est terrible sa phase de lane là. Il joue bien hein. Tout juste en dehors de range auto. Il est retourné prendre le trade au moment où il a récupéré son shield pour bait le Corkin en trade. Et il a gagné le trade, c'est indécent. Mais il prend le fight là. Mais c'est trop une dinguerie par contre hein. Magnifique. Il a bait le flash de Corki en faisant genre il allait que flasher. Magnifique. Je sais même pas comment il arrive à gagner la lane sachant qu'il a... Il a wall pour pouvoir tanker la wave. Il se passe trop de choses à décrire en, par seconde notre rôle. Je sais pas comment il a réussi à gagner la lane en la commençant à 100 HP, vraiment. Il sait qu'il a pas de flash. Il a bien joué le Corki hein. Ah, World Cup, il a vraiment bien joué. Ok, là la Poppy est juste meilleure. La Poppy est tellement cette personne par contre. La Poppy est tellement cette personne par contre. Il joue tellement bien avec son wall. Ouais, il sait vraiment trop bien ce qu'il fait. Je suis pas sûr de comprendre toutes les. Le wall est big. Proc PTA alors qu'il est même pas en range d'auto. Il a tellement bien joué. Par contre, il a cancel une auto. Je pense que c'est parce qu'il a l'habitude de la LT encore. En même temps quand t'as littéralement 3 ans d'LT, c'est dur de. Ah, il y a eu trop de misplay. Il y en a un qui meurt. Il y en a deux qui meurent. Ouais. Trop de misplay. Mais le Corki il clique vraiment de zinzin, je trouve. Le Corki clique. Ouais, heureusement que par contre c'est ce mec sur Yasuo. Hein. S'il avait pas été pixel perfect là c'est. Le cut sur le haut m'a mis très très bien. Bah attends mais la Jinx a cliqué. Quoi? Quand la tour meurt, les dégâts de la dernière auto sont divisés par deux. Donc du coup, en fait c'est même pas ça, c'est les dégâts de la tour sont reset aux dégâts initiaux pas stackés parce que l'entité qui a la tour n'est plus en vie, du coup elle a pas les stacks des dégâts. Du coup c'est comme si c'était le premier coup de tour. Non, ça joue. Pour qu'il y ait 3 cibles et qu'elle dodge toutes, ça joue en vrai. En vrai, ça doit tellement faire chier de faire péter. Il fait genre, il a pas vu le dessin. Ok. C'est Meldol pour le problème. Ah, qu'est-ce que tu pourrais faire? Conqueror, c'est même pas si bien. PTA donne trop de burst en fait et ça donne une phase de lane. Le dodge du Q de Karthus est monstrueux. S'il faisait pas l'auto-Q comme il a fait, il était mort. Bah, ouais. Et il était mis quoi? Danseur fantôme IE. Ok.
Apparemment, Freak a dit que la raison pour laquelle Lyon et Yasuo ATM ont un low win rate, c'est parce que les gens ne savent pas le build. La dernière fois qu'il avait dit ça sur un champion, il avait fini par quand même buff le champion. Le kick est bon. Il perd même pas le shield à cause de la BT, c'est insane. Le wall est magnifique. La roue est belle. Il prend tellement cher du Karthus par contre. Oh, ça joue à rien, il gagne là-dessus. Il a quand même fait une belle game, hein. C'est pour ça que Zell est nerf, by the way. Yon Yasuo trop broken. Oui, bah au moins, ouais. Mais 0-0-1 que pour le coup, oui. Ils abusent trop bien de Zell, du coup. Ah ouais, non, mais maintenant le start E au PTA. Oh, mais attends, mais c'est une dinguerie ça, par contre. Bah ça c'est vraiment une folie par contre. Bah elle a plus de flash hein. Fin de rush. Et en plus il a un freeze. Ah non c'est fin de rush. Elle a bien flash. Elle a bien flash. Le canon, I beg. C'est pas le message de warning parce que t'as trop joué aux jeux vidéo en KR, ça? Après, Larry a misplay. C'est bien joué de sa part, mais... Larry a pas à prendre ce fight, je pense. Ouais, on est d'accord que c'était normal. Le wall est bon, mais c'est normal, quoi. Oh. Il a pas pu R. Aussi là c'est 1v9, hein, il se balade sur la map. Il y a vraiment un message de warning en KR, ouais c'est obligatoire sur tous les jeux vidéo je crois. C'est... C'est un message obligatoire par le gouvernement, un truc comme ça. Genre typiquement, Lost Ark aussi avait... Quand c'est arrivé en Europe, ils avaient aussi ce message dans le jeu. T'as déjà parlé des Q qu'il met dans le vent pour le TP quand il ult? J'ai jamais vu faire un Yasuo faire ça. Ouais, on en a déjà parlé. En vrai, c'est pas si... C'est du min-maxing, tu vois. Et en plus, ça donne un stack de tornade. Mais c'est, en fait c'est surtout, il a bien joué le Lucian, c'est surtout dur à mettre en place. Il est bien dodge là encore. Il a bait le flash. Ouais ok, il est juste trop fidèle. En fait c'est surtout archi dur à mettre en place le Q sans la vision. Quoi, la tornade elle touche? Oh la dinguerie. Oh le wall. Ah la game est finie en vrai. La Keyblade, non c'est pas la Keyblade. C'est en gros tu Q derrière toi au moment où tu le T. Si quelqu'un d'autre bump une cible pour toi en fait. Mais faut que ça soit un bump de quelqu'un d'autre. Et tu peux Q derrière toi au moment où tu R. Et en fait ça fait le Q, ça fait comme une Keyblade en gros. Il a testé d'autres runes ou pas? J'ai envie de voir s'il a testé d'autres runes. Il joue Fleet. Fleet c'est quand même archi fort hein. Je sais qu'on a vu des games PTA, mais je trouve quand même Fleet monstrueux. Il a tellement bien joué, c'est une dinguerie. La vitesse à laquelle ses mates décalent pour lui par contre c'est... Dès qu'ils ont vu la Cénamide, la Lulu et la Diana sont apparus de nulle part genre. Il survit là? Non.
Arrête, 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 arrête. Qu'est-ce qu'il vient de leur faire là? Qu'est-ce qu'il vient de leur faire? Il l'a touché, mais il avait pas d'ult. Il dodge le stun du coup. Dommage! Le cul de Senna à travers le wall. C'est quoi PTA? C'est Prezi Attack. C'est attaque soutenue en français, je crois. Shield Bow, non! Par contre, Iezel, c'est archi fort, non? Lieu cher et tout, mais Iezel. Genre, Zel pour la phase de lane into IE. Le problème de BRK, c'est que c'est le meilleur item du jeu, un spike, un item en gros. Après, je pense que IE lui met quand même une drill sur les persos comme Yasuyun. Il fait Zel après IE, ouais. Okay. Faire Zel après attends, t'as dit quoi? Faire IE après Zel, ton premier item, tu vas super tard. Ouais, mais c'est Osef avec le power spike que t'as sur le Zel, je comprends pas. Imagine juste Zel, cap de crit, BF. T'es déjà archi bien, ouais. Ah, tellement de fin de rush. Ah, 미쳤다. Après, il a la TP. Faut caler les bots aussi. Ouais, mais c'est des spikes normaux. C'est le mec en face aussi, il a des bots. Hein. L'argumentation est éclatée là, par contre. Udyr, je trouve ça dingue comme champ. Je trouve ça vraiment dingue. Regardez, Irel King, vas-y, chouchou. On va checker après. Là, il fait Zel into Kraken. Il a des bots GGWP Go Next. Mais les Berserk, chat, c'est vraiment le meilleur item du jeu en vrai. On en parle pas assez à quel point il y a des bots qui sont juste les meilleurs items du jeu. Genre, les bots de Magic Pen au mid donnent des carrières à des persos qui ont même pas d'AP. Je trouve ça dingue. Les Berserk donnent des carrières à des persos qui ont pas d'AS de base. Et encore mieux, si ton perso fait de l'AS de base, mais qu'il n'y a plus beaucoup d'AS dans les builds, les Berserk te donnent suffisamment... Oh, il a glide. Les Berserk te donnent suffisamment d'AS. Non, c'est trop bien. On se rend pas compte à quel point les bots, c'est tellement genre build enabling. Fallait lui dire à Smite. Huge. Je trouve ça dingue en vrai. Le Xin meurt. Hein. Magnifique le flash du Xin. Ah, le flash du Zigzin est magnifique en vrai. C'est ce con pour le poids des morts. Tabi sur les tanks qui ont 1 milliard de dégâts de base. Mais pareil, Tabi, ça crée des carrières. Oh, magnifique le dash. Oh! Le targeting. Wall le fear. Dinguerie. C'est dommage que le Q rate. Si le Q ratait pas, il y avait un monde où il jouait le fight. Après, il pouvait pas trop risquer de se mettre en range parce que le burst de Xin Zhao, c'est unplayable. Ouais, il a tellement int le clad, il vaut 100 gold. Première game, plus 66 en D4. Ah, mais c'est normal. C'est même pas si dingue notre rôle. La première game, tout le monde fait 60.
Après c'est 40, 30, 20.때릴 때 이속 증가하는 거 사라져. 20, 30, 30, 28, 27, etc. Et après ça redescend. C'est tellement fort le dismount de Clay, je trouve. Mais comment ça, Clay de barrière? Je vais m'énerver là. Oh, il a flash trop tard le Clay. Ah, on vit pas Phidios. Ouais, il a pas go. Il joue encore Jinx en KR, d'accord. By the way, je comprends pas pourquoi il y a pas plus de gens qui jouent à Phelios. J'ai pas vu un Phelios sur le patch, c'est le meilleur champion du jeu. Je comprends pas pourquoi les gens ne jouent pas à Phelios. Pourquoi personne joue à Phelios? Tex Obil Bolo. Tex pourquoi personne joue à Phelios? Le champ est trop dur. Trop niche. C'est vraiment pas niche, hein. C'est un des meilleurs blinds du jeu. 4200원을 써야 되는데 패치 전에는 한 3300원만 써도 낼 수 있는 딜을 약간 지금 그냥 망했습니다. 이번 판은 직공 한접시 어떠신가요? 아이고. Faut être gifted. Bah je sais pas, genre le champ est fort. 지금 다양한 거 다 시도는 해 보고 싶은데 게임을 이기질 못하겠네. 아칼리니까 한번 직공 들어. Kate H24 ban pick sur mes games. Kate c'est fort aussi mais je pense qu'Aphelios a plus de 1v9 potential, tu vois. Demande à Exa Kick. Ouais, bonne question, je pourrais juste demander à Exa. Est-ce que j'ai des gros ADC dans ma liste d'amis? Je crois pas avoir d'ADC parce que j'ajoute jamais les ADC. Oh, auto CS. Ah, c'est une game PTA là. Ah, cancel d'auto. Dommage. Il est pas mort des CS avant de mettre l'auto, c'est une dinguerie ça par contre. S'il lui avait dash dessus, il pouvait récupérer une plante. Magnifique le wall. Magnifique les Q. Elle a trop mal joué la Kali. Elle aurait dû partir d'entrée de jeu. Dès que le Yasuo jouait les bush, elle aurait juste dû se barrer je pense. Surtout si elle avait l'info qu'il avait pas de flash. Le jouer c'était greedy. Bon non, il plug à toute la LEC pour le coup non. J'ajoute les gens que je trouve bons en solo queue et avec qui il y a eu un feeling tu vois. En vrai j'ai pas tant de monde que ça en liste d'amis hein. Et dès que je trouve quelqu'un de bon, j'aime bien l'ajouter et lui dire GG t'as été grotesque tu vois. Elle clique de zinzin la Jinx. Il a pas d'ulti, il peut pas l'aider. Du coup t'ajoutes pas Triton? Bah non. J'allais chercher une argumentation mais non. Oh le bump. Le Q flashé était magnifique. Ouh, attends, j'étais terrifié, j'ai cru que ça allait pas passer. Je rigolais. Non mais c'est vrai, je pourrais ajouter Triton mais je sais pas, on a... C'est pas quelqu'un avec qui j'ai cherché à duo ou quoi, genre c'est pas, tu vois. Sans plus quoi. Il joue pas des champions qui m'intéressent vraiment non plus. Non mais il a 11 CS minutes en mode c'est un lundi. Traitons bon jeu Cake W. Et attends, par contre, ok, je veux bien pas apprécier Triton. Ok, et ça c'est, vous faites ce que vous voulez, on peut pas plaire à tout le monde. Mais Triton est tchal toutes les saisons sans faire d'effort, je comprends pas c'est quoi votre problème en fait. Même moi je suis pas fan de jouer avec, tu vois, genre on n'a pas de synergie, etc. Mais le mec est tchal toutes les saisons. À un moment faut pas être début, tu vois.